Pour aller à la rencontre de deux physiciennes. Anne Sévigné d'abord, qui a passé son enfance dans cette charmante bâtisse, hébergée par son oncle. Catherine de la Guette, ensuite, véritable héroïne de la France. Cette figure locale, haute en couleur, qui en son temps maîtrisa aussi bien l'épée que les flèches de Cupidon, rencontra la future marquise dans sa jeunesse. En ce mois de mai, toutes deux sont de retour à Montalo pour évoquer leurs souvenirs. Madame de Sévigné est un tournant de son existence. Sa fille, bien-aimée, vient de s'exiler dans le sud de la France. Une séparation terrible pour celle qui jusqu'alors lui consacra sa vie. Vous écrivez encore, madame. Que trouvez-vous donc à raconter à votre fille? La voilà partie depuis à peine 4 mois que déjà vous avez échangé un nombre impressionnant de missives avec elle. Je lui raconte ce qui se passe à Paris, ce que sa pauvre mère devient. Seule, abandonnée. La marquise de Sévigné, seule. Enfin, voyons, je ne connais personne de moins seule que vous. Le monde entier tourne autour de votre personne. Vous l'aimez et il vous le rend bien. Le pensez-vous vraiment? La vérité, c'est qu'on me tourne le dos. Je suis privée de clients à la cour. Mon salon s'est vidé. Ma fille s'est exilée à Grignan. Mes belles heures sont passées et les ténèbres approchent. Je vous croyais pourtant fâchée avec Françoise. Lorsqu'elle est partie rejoindre son époux en Provence, vous étiez soulagée de son départ. C'était avant qu'elle ne commence à répondre à mes lettres. Depuis que nous échangeons ainsi, ma chère enfant me livre ses trésors cachés de tendresse. Nous n'avons jamais été aussi proches que depuis que 200 lieues nous séparent. Alors, faut-il vous plaindre ou se réjouir? Oh, craignez-moi, je le mérite. Je suis revenue à Soucy pour me rappeler notre époque heureuse, dans ce château Montalo et dans ce parc qui descend vers Paris. Je n'étais alors qu'une enfant hébergée par mon oncle. Vous souvenez-vous? Certainement. C'était avant l'affront, chez Monsieur de Coulanges, la même où je vous ai rencontré. Un petit bout de femme, une pauvre orpheline, déjà si joyeuse. Oui, c'est cela, racontez-moi, parlez-moi de celle que j'étais alors. Vous étiez d'une beauté à attirer tous les cœurs, et d'un esprit vif et clair qui ne manquait pas de faire sensation dans les salons. À Montalo et rue des Francs-Bourgeois, vous étiez entouré de toute une tribu, avec votre cousin Philippe qui nous faisait rire aux éclats. Quelle folie que cet homme-là! C'est un personnage comme celui-ci que j'aurais dû épouser, à la place de ce triste Henri qui m'a tant trompé. J'aurais dû faire comme vous, ne pas capituler trop vite, me battre pour aimer, lutter pour trouver le bon. J'étais trop raisonnable quand je pense que vous vous êtes mariée contre l'avis de votre père. En pleine nuit, dans l'église de Mandre, à 2 pas de la maison où dormaient paisiblement vos parents. J'étais jeune et amoureuse. 19 ans, pensez donc. À cet âge-là, on ne réfléchit pas. On agit. Oh, ce n'est pas une question d'âge. Votre réputation vous précède, madame. Vous avez toujours été une femme d'action, particulièrement pendant la Fronde. On m'a raconté cette histoire où, depuis le château de Grosbois, vous avez fait croire à un major à la solde du duc de Lorraine que l'armée de Turenne bénéficiait de renforts importants. Le soldat fit prévenir le duc, qui, par peur de ses hommes imaginaires, renonça à son projet d'attaque. Hélas, mon stratagème se révéla désastreux pour celui-ci. Les Lorrains, enragés, sont finalement restés sur leur position et ont tout pillé d'Illieux-la-Roue. Notre village fut dévasté. Un grand malheur pour beaucoup d'habitants. Croyez-moi, faire preuve de raison peut s'avérer. Vous avez tant fait pour Sucy pendant cette période troublée que vous êtes toutes pardonnées. Racontez-moi plutôt une de ces aventures cocasses qui vous arrivent toujours. Voyons. Peut-être ce jour, en pleine révolte encore, où j'ai reçu une lettre du comte de Marsan. Que... Encore une fois, monsieur, je vais finir par croire que vous le faites exprès. Ce n'est pourtant pas compliqué.
Il suffit de lancer les dés. Enfin, c'est l'essentiel de ce que j'ai compris. Eh bien, cela mériterait une dépêche. Denis Diderot a été ruiné hier après-midi par Madame Zen, lors d'une partie de trip-track. En vérité, vous me faites venir à Sucy pour me voler, et moi, toujours trop beau, je supporte les 2h30 nécessaires de trajet pour arriver jusqu'ici. Vous exagérez. Je sais que vous vous plaisez dans notre campagne. D'ailleurs, je ne suis responsable de rien. C'est mon gendre qui vous supplie de nous rejoindre. Monsieur Dolbach a besoin de vos idées pour avancer dans ses projets. Sans vous, il s'ennuie. C'était là la raison de ce courrier que j'ai reçu l'autre jour. Le baron m'a presque ordonné de vous rejoindre pour terminer l'été. Bonjour, c'est cela. Oh, si vous voulez, faites donc. C'est bien ce que je dis. Vous me laissez gagner. Vous avez une chance folle, madame. Voici maintenant un doublet de 6. Ah, la chance. C'est bien une idée de philosophe, ça. Et si ce n'était pas la chance? Que voulez-vous que ce soit? Vous n'êtes même pas pipé les dés. Et pourquoi pas? Dans un tripot, monsieur Diderot, en jouant aux 3 dés. Si votre adversaire amenait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, enfin, constamment une rafle de 6, ne crieriez-vous pas à la tricherie? Oh, sûrement, mais... Vous seriez persuadé que la chance de votre adversaire serait le résultat d'une manœuvre à droite, d'une friponnerie bien tissée. Pourtant, en voyant dans notre monde un nombre de combinaisons 1000 fois plus difficiles et compliquées, vous refusez d'admettre que les dés de la nature sont aussi pipés.